Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que j'ai mis mon portable? J'ai entendu, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Il est là. Il est Allô? Voilà, on m'entend maintenant. là. Ah, c'est vrai. Bienvenue à tous et à toutes dans le pré-show de ce 8e. On ferme les portes. Merde. J'ai dit on ferme les portes. On regarde dans la tête. On regarde le soleil. On regarde un peu tout ça en même temps. Et on se dit, c'est parti. C'est parti, c'est lancé. Il est là, il commence. C'est le pré-show. Le show avant le show. Bonjour à tous et à toutes. Je sais pas ce que je voulais dire. Et pour une fois, je suis pas tout seul dans ce vrai show. Eh oui, je suis pas tout seul dans ce vrai show. Allô? Ah, ok. Je crois que. Bon, ça va. Donc voilà, bienvenue dans le pré-show du. Buddy joined your channel. Oh. What? Allô? Oh, salut mon pote. Je faisais à manger. Oh, qu'est-ce que tu fais à manger mon ami? Des pâtes. Miam miam. Qu'est-ce que c'est bon les pâtes. Tu les as fait à quoi tes pâtes? Aux pâtes ou à quelque chose? C'est des pâtes. T'as mis de la sauce? Bah non, c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse, ça, what the fuck. Ah ouais? Eh nah. Oui. Tu connais pas la cuisine. Moi, bah attends, moi je connais pas la cuisine. Ou attention à ce non. Que tu dis. Donc voilà, bienvenue dans ce pré-chaud, pré-chaud, manger chaud, comme on dit. Oh putain. Donc voilà, on est tous là, tous ensemble. Tous ensemble dans ce pré-chaud, pré-chaud des réglages, comme on dit. Ça mange bien. Hein. Et c'est Shrek? Non, c'est juste un alien. C'est un alien Shrek. Ah ouais? Oui. Il vient de la planète plus blanc. Je sais pas si elle fait peur ou. Un peu quand même. Oh. Oh. Oh, c'est le facteur. Je sais pas quelle couleur la mettre. Voilà. Est-ce qu'on est tous là du coup parce que Cédric il est dans les montagnes. Bah ouais du coup on est tous là. Je regarde juste la fin de la vidéo et je... Juste que je fasse quelque chose vite fait et on pourra commencer. Putain. Ah là là. Ouais, c'est le pré-chaud, manger chaud. Moi, je me suis fait une pizza. Et aujourd'hui, j'ai mangé. Enfin, non, aujourd'hui, cette semaine, j'ai mangé que de la merde.
C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Ok. Oh, attends, putain. T'as pas censé avoir un invité pour le pré-show déjà? Oh merde, il est pas là. Oh merde. Bon, c'est pas grave. On aura peut-être un unboxing la prochaine fois, les amis. Mais bon, on dirait que cette fois-ci ne sera pas le jour. Le voilà. Cette fois-ci ne sera pas le jour. Du coup. Ah, le jour des poubelles, lol, haha, jetez tous vos poubelles dehors, c'est la fête. Allez. Ah, mes souhaits. On est au pré-show, où est Benoît? C'est bien ça, Benoît, monsieur Beau, je sais pas. Quoi, y'a quelqu'un qui parle dans le chat? Fuck. J'en sais rien, j'y suis pas encore. Ah, ok, je sais pas, tu dis où est Benoît, je pensais que tu disais ça dans le chat. Parce que je sais pas si mon Twitch lag ou pas en fait. J'en sais rien, il faut que j'aille sur le Twitch et du coup je regarde. Lag check. Check. Lag. Oh, vous entendez les gouttes? Oh putain, j'ai tellement une mauvaise tête. C'est le nouveau dubstep. Avec une bouche qui mange, une mouche qui fait du dubstep. Une bouche, ouais. Bon, voilà, je suis dans le chat. Bonsoir tout le monde, bonsoir 5-8ème, bonsoir Bernard Petit, la boule magique, c'est Lotini. Nous sommes tous réunis ce soir dans ce pré-show pour faire le pré-show. On n'est pas encore au vrai show. On n'est pas encore au vrai show, on va y être dans quelques minutes. Juste oui, pour dire que notre ami... Attends, une interlude musicale. Interlude musicale, allez. Non mais l'interlude, tu parles de l'intro parce que... Fais péter le cas, tu vois ce que je veux dire. Hein? Quoi? Fais péter le CAF, tu vois ce que je veux dire. La CAF? Non, t'as pas l'air pour la CAF encore. Fais péter le CAF, si tu vois ce que je veux dire. Le CAF. Le CAF. Le CAF. Fais péter le CAF. Fais péter le CAF. Ah oui. Et oui. Non, mais attends, je suis encore un amateur là. Fais péter le CAF. Je te fais un beat. Non mais tu fais avec ta voix là. Tu fais avec ta voix, what the fuck? Mais non. Non. What? Mais c'est vraiment un bruit de merde. Non, c'est juste que j'ai la main dessus pour éviter que ça fasse trop de bruit, parce que sinon ça fait... Ouais, mais c'est ça le vrai casou, connard. Parce que oui, on a un artiste. Ouais, mais du coup, moi j'ai des gens chez moi. The artist, le vrai casou. Ta gueule avec mon énorme orteil. Ah, ça va. C'est Megalovania. C'est Megalovania. C'est Megalovania. C'est Megalovania. C'est Mega. Ah, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est chien. Attends, je vais la faire écouter parce que c'est vrai que j'avais envie d'écouter. J'avais envie de la réécouter. Alors attends. Gilma Senior. Ah voilà, dans le chat du Twitch. Ouais. C'est comment, c'est Plaza Mi Plaza. Mi Plaza, Mi Plaza et su Plaza, comme on dit. Ouh. Sinon, rien à dire pendant ce pré-show. En fait, j'ai pas mal de choses à dire pendant le show. Enfin, pas mal de choses, 2-3 choses à dire pendant le show. Et attends, est-ce que c'est celle-là? Déjà. Le nombre de viewers augmente, on est passé de 5 à 9, puis c'est votre top. Les gens, genre. Voilà. Pardon, t'entendais pas. Je suis en train de mettre la musique. Voilà, c'est ça la musique. Attention! Ah!
bref, voilà. Je crois que Guillaume de Kazos va être banni pour se faire passer pour ce qu'il dit, c'est de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est passable de la peine de mort. La peine de mort et tu te fais bouffer par Courtney Cox. Tu te fais bouffer par Courtney Cox. Ce spray faux est sponsorisé par Courtney Cox. C'est quoi? Quoi? Tu connais pas Courtney Cox? Courtney Cox, je vous mange tous. C'est celle qui fait Monica. Oh Chandler, oui, qu'est-ce que tu fais Chandler? Dans Big Bang Theory. Attends. Cousine, quoi. Tu me dégoûtes. T'es même pas un vrai fan. T'es même pas un vrai fan. Big Bang Theory, ils savent que qu'il est PD. Oh, je trouve. Oh, avatar. Attends, mec, je vais faire le... Le drapeau de la France, c'est bleu, blanc, rouge, ouais. Ok, donc c'est l'autre côté. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Vas-y, mec, en hommage. Tout le monde, c'est ce que je dis aujourd'hui, je suis en compagnie de Bernard Petit. Voilà, hop, maintenant celui en blanc. Ah merde, fuck, elle est moche. Oh là, on a perdu 3 viewers d'un coup comme ça. C'est parce qu'ils ont eu peur de Courtney Cox. J'aimais pas Monica. T'arrives sur ce stream, tu vois quoi, tu vois? Tu vois, tu vois double Courtney Cox. Ah putain, c'est trop effrayant. De quoi tu parles? Attends, je vais rendre le truc moins effrayant. T'inquiète pas, je vais mettre la tête d'un ami qu'on aime bien. Voilà. En fait, je t'ai donné envie de regarder un épisode de Big Bang Theory. Mais va te suicider, mec. On est dans le coin comme ça. J'arrive pas à le rendre blanc, ça me fait chier. C'est un truc. J'arrive pas à faire comme Michael Jackson. Ah voilà, c'est bon. Là il est gris. Je pars 2 minutes et je reviens, il y a des gens qui s'y connaissent. Voilà. Le mieux c'est qu'on attende un maximum de viewers avant de lancer le show show. Ou encore on peut lancer le show show, mais on s'intéresse non, pas. Non, on va lancer le show. Le grand vif de ce soir. S'en directement. Du, s'en fout du monde, du pas. Oh merde, il y a Ubisoft Brésil qui joue à Tom Clancy Rainbow Six. Ah, on va pas avoir de vues. Bon ben, au revoir. A plus, à demain. Regarde, en hommage à la France, le pré-show avec c'est le sandwich. Voilà. D'accord, je viens de... Voilà, merci à tous de regarder ce pré-show sponsorisé par Bill Cosby et Courtney Cox. Ça fait même pas le drapeau de la France. Je sais pas faire le drapeau de la France, tu vous connais très bien, je suis algérien. Non, t'as juste futur... avatar, potiron. Pas de potiron, mon garçon. Où il y avait pas encore de couleur. Pas de potiron, mon garçon. Non, non, on dirait une sculpture grecque, mais de... Bill Cosby. Le penseur de Bill. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le pré-show. Mon nom est Jordan. Je plaisante. Tout le monde sait que je m'appelle Brad. Salut Brad. Ouais. C'est passé des tas de trucs drôles aujourd'hui. J'ai montré mon casu à ma mère m'a dit ça ressemble à une pipe à crack. Et lui dit, ah ok. Ma mère elle va voir la télé, regarde le programme de ce soir. C'est quoi ça, le chasseur de vagin? Non, le chasseur de venin, maman. Ah d'accord. Franchement, c'est quand le jour où National Geographic Wild va nous présenter le chasseur de vagin? Bonjour, je suis Thomas Peterson et je suis le chasseur de vagin. L'homme qui s'est chuchoté au vagin. Bon, je crois qu'on va lancer le vrai show. Juste avant, je voulais vous montrer quelque chose. Qui est ce mec? Essayez de deviner qui est ce mec. Quel est ce personnage? Essayez de deviner quel est ce personnage. Félix, tu sais. Le reste, attends, je pense pas que vous saviez. Je montre l'image d'un personnage. Pour les autres, ils écriront dans la description de la vidéo. Qui est le personnage qui apparaît? Je pense pas que les viewers peuvent écrire dans la description.
Ah, pardon. Alors, qui est ce personnage? Dis-moi dans la description. Qui est ce personnage? C'est de toute évidence. Oh mon dieu! Ah oui, non, mais je. Ah, je l'en avais parlé. Ouais, je l'en avais parlé. C'est pas. Cheater. Tricheur. Ah, d'accord. J'allais dire Alexandre à son boulot, mais. Attends, tu veux une photo de moi à mon boulot, mec? Aujourd'hui, en plus, j'ai fait le transfert d'image de mon téléphone et en fait, j'avais pris des photos quand. Enfin, tu vas voir, attends, je vais te montrer. Faut que je retrouve ça. J'ai aussi retrouvé les. Enfin, j'ai. En fait, sur mon téléphone, ça a gardé tous les Vines. Du coup, tous les Vines 5/8e. Vine. Du coup, j'ai tous les Vines 5/8e. On a arrêté. Ah ouais, mais non, on a pas arrêté. Voilà. Voilà, ça c'est moi au boulot. De qui travers. Regarde nos Vines à parler toastinette. Mec, on va faire une compil de Vine. Qu'est-ce qui est jaune et brûlé? Une toastinette. Bon, je sais pas comment retourner les images sur Twitter, sur XFleet, mais bon, voilà quoi. J'avais les gants aussi. Voilà, bon. Le chirurgien vous laisse et je vous dis bon show les amis, hein. Sur ce donc on revient dans 5 minutes, 5, 3, 4 minutes tant que j'aille vider l'orangeade, si vous voyez ce que je veux dire.